Le mardi 29 août 2023, Laurent Gbagbo a tenu un meeting d'envergure au terrain du Vatican dans la commune de Makori. La foule était nombreuse et l'atmosphère festive et chaleureuse. Laurent Gbagbo, candidat du RHDP soutenu par le Front populaire ivoirien, a rassemblé une importante audience pour son discours. D'entrée, ce sont les jeunes et les femmes qui ont exprimé leur soutien affirmé à travers des discours enflammés, témoignant ainsi de leur engagement envers le ministre Gbagbo. Vous nous l'avez montré par plusieurs choses, à travers vos dons. Avec les dons que vous avez faits aux femmes en Makori dans si peu de temps, nous avons eu beaucoup de choses de vous et ça continue. Vous nous avez mis à disposition 350 millions dont 600 femmes ont déjà été formées pour sortir les femmes de la pauvreté. Dans un moment fort de la soirée, le président des jeunes de Makori a pris la parole pour annoncer officiellement son soutien et celui de la jeunesse communale à Laurent Gbagbo. Son discours empreint de ferveur et d'enthousiasme a galvanisé l'audience présente. Ça s'acclame s'il vous plaît, on parle du maire de Makori. Jeunesse de Makori, regardez ce qui est de votre intérêt. Je vais vous parler aujourd'hui pour vous dire dans un premier temps. Écoutez, à la date du 7 août, nous avons pris l'engagement, je le répète, nous avons pris notre envol en décidant de faire du candidat des jeunes, M. Laurent Gbagbo. Le ministre Gbagbo, s'inspirant de Martin Luther King, a prononcé ces mots marquants. I have a dream, pour exprimer son rêve pour la commune de Makori. I have a dream. Et aujourd'hui, ici, à cette place précise, je vous dis, les jeunes, les femmes de Makori, I have a dream. I have a dream, I have a dream. J'ai un rêve. J'ai un rêve. Martin Luther King disait au peuple américain, I have a dream that one day black people and white people will get ahead to make together better. Il a partagé sa vision ambitieuse pour le développement et l'amélioration de la vie des habitants de cette commune. J'ai un rêve de faire en sorte que Makori soit une cité, soit une commune où il fait bon vivre, où l'homme aime son prochain, où l'homme prépare la famille. Oui, les jeunes, je vous appelle à la mise en place d'un nouveau contrat social qui va s'articuler autour de la création d'une maison d'emploi, car je sais que les sons qui reviennent de toutes les familles, c'est que le chômage des jeunes est très important à Makori. Son discours a suscité de vifs applaudissements et a renforcé encore davantage l'adhésion de ses partisans. Le meeting au terrain du Vatican a été un véritable succès pour Laurent Gbagbo. Son charisme et ses idées novatrices ont conquis la foule présente qui a exprimé sa confiance en lui apportant un soutien massif et enthousiaste. Le ministre Gbagbo poursuit ainsi sa campagne avec détermination et se positionne comme un candidat sérieux pour les élections du 2 septembre prochain. Son meeting au terrain du Vatican restera certainement dans les mémoires comme une étape clé de sa campagne où des discours inspirants et la solidarité surtout du Front populaire ivoirien ont ouvert la voie à un avenir prometteur pour la commune de Makori. La campagne du ministre des Eaux et Forêts continue de prendre de l'ampleur
et suscite un réel engouement auprès des électeurs, en particulier la jeunesse et les femmes qui voient en lui un espoir pour un avenir meilleur. Merci amis internautes, membres de Canal Ivoire. Merci de nous avoir suivis. Ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de laisser aussi vos commentaires, mais surtout de partager. Et ensemble, on ira loin. Shalom.